Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien, j'ai bientôt 15 ans, donc le 7 juin, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Et je voulais préciser que ce n'est pas ma première chaîne YouTube, effectivement sur cette chaîne YouTube ce sera ma toute première vidéo. Mais voilà, avant j'avais une autre chaîne YouTube qui s'appelle toujours NapiRL, donc ouais, NapiRL vous mettez. Donc sur YouTube, donc je crois que j'avais 19 abonnés, mais c'était, je faisais jamais d'IRL, j'avais fait du Fortnite, je crois, Rocket League beaucoup, et c'est tout, ouais, je crois que c'est tout, du Call of Duty aussi, War 2, et bref, donc aujourd'hui ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs que je sais pas comment je vais l'appeler, mais ça c'est pas grave. Bref, aujourd'hui j'ai eu une idée. Je me suis dit pourquoi pas dire 10 conneries que des potes à moi ont fait, que moi j'ai fait personnellement, et je me suis dit ça serait bien de voir si les conneries genre ça va. Voilà, c'est seulement 10 conneries. Donc clairement j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Et je pense que ce que j'ai noté juste en face de moi, et ben du coup je pense que vous aussi vous en aurez peut-être fait. Et ben du coup moi aussi. Donc première connerie, dès qu'un prof finit une phrase, toute la classe se lève et applaudit. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt cool. Deuxième connerie, quand quelqu'un de la classe dit le mot autruche, tout le monde se met sous la table. Voilà. Donc moi je trouve ça cool, c'est sympa et tout. Aussi, troisième connerie du coup, avec un groupe de potes, donc 4, 5 max, on dit tous le même mot, du genre, je sais pas moi, livre, mais à chaque fois qu'on dit le mot, on le dit plus fort. Donc ça veut dire que moi je dis livre, mon autre pote dit livre, enfin, genre de plus en plus fort, et normalement ça pourrait être des mots assez gênants. Voilà. Donc quatrième connerie, mettez de la glu sur les interrupteurs de la classe, comme ça, bah si le prof il appuie ou un élève de ta classe appuie, bah en fait genre ça va coller et tout, et du coup c'est drôle en fait. Bref, cinquième connerie, mettez un chewing-gum dans la serrure de votre classe, comme ça si le prof il essaye d'ouvrir la porte, et eh ben il va galérer à l'ouvrir, et comme ça vous gagnerez peut-être allez 10-15 minutes. Voilà. Par contre faut bien qu'il soit séché parce que sinon ça marche pas. Sixième connerie, si vous avez un tableau à créer, et eh ben en fait vous mettez du blanco sur le bout de la craie, et comme ça en fait ça va faire un bruit quand même assez ignoble. Et du coup le prof il va, je pense du coup qu'après ça il va plus trop écrire sur le tableau au cri. Et bref, voilà. Septième connerie, quand le prof vous regarde, faites lui un clin d'œil. C'est hyper gênant pour vous et pour le prof aussi, je vous assure que si. Huitième connerie, du coup, appelez le prof. Donc je sais pas si vous avez un problème de maths, appelez-le. Et quand il vous dit oui, qu'est-ce qu'il y a, bah juste vous lui répondez non rien. Voilà. C'était c'est quand même assez marrant. Bon pour le prof du coup il peut vous mettre un mot mais ça sert à rien. Alors quelque chose que j'ai déjà fait, là pas longtemps, c'est se dessiner quelque chose sur le visage. Nana, il pourrait dessiner une barbe, Nana, il pourrait dessiner une moustache. Moi, en fait, c'est un petit peu particulier. En fait, je me suis mis un gros mono sourcil là. Voilà, donc ça veut dire en fait que moi j'ai des potes qui m'ont fait tout là. Donc ça veut dire en fait qu'ils m'avaient fait un mono sourcil, ils avaient repassé sur mes vrais sourcils. Bref, c'était le bordel. Et voilà. Et du coup, enfin, la dixième connerie et dernière, faites exprès de toucher. Quand le prof en fait vous regarde, et ben en fait faites genre un petit peu des signes avec votre main en mode je mets ma main en dessous, comme ça le prof va regarder, et faites exprès de toucher la jambe, la cuisse de votre voisin du même sexe, hein. Et comme ça le prof il le voit, et ben en fait c'est gênant et drôle.
Voilà. Bref, du coup, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, liker, abonne-toi avec la petite cloche des notifications. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !